Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la série Un Auvergnat en Isère, avec aujourd'hui pas mal de votes qui seront en description. Je vous en parle dans la vidéo, un lien pour savoir ce qu'on fait du Renault et savoir si on passe en action 800 ou en 900, mais je vous explique bien sûr tout ça en vidéo. N'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus et on se dit à tout de suite juste après l'intro. Et donc du coup les amis, on se retrouve sur la série Un Auvergnat en Isère, avec aujourd'hui pas mal de travail dans les champs les amis. Mais vous voyez qu'il pleut, il pleut bergère, et ça fait yesh comme on dit. Parce que tout simplement je peux pas récolter mon dernier champ de colza que j'avais à ramasser. Rappelez-vous, en live on m'avait dit que je le ramasserais peut-être, mais du coup la flotte est arrivée et il pleut bergère, et il n'y a pas moyen de récolter ce colza. On verra du coup si toutefois ça change entre temps, si la pluie cesse, peut-être qu'on pourra récolter enfin notre colza. Ouais, je sais pas si j'ai dit soja ou colza, parce que bref, là ici vous voyez du soja les gars dans la benne. Tout simplement, je vais vous montrer ça après les amis, le prix de vente du soja qui est juste énorme les gars. Donc ça c'est vraiment hyper cool, plus de 2716 € avec le prix encore en hausse. Donc du coup j'avais 13 minutes à vendre les gars. Donc du coup je me suis empressé d'atteler la benne, de charger tout ça et d'aller se faire un petit peu d'argent, parce que 13 000 fois 2, quasiment fois 3 les gars. C'est soit au pire on peut attendre et laisser le tracteur là-bas, surveiller un petit peu le prix pendant la vidéo et voir un petit peu ce que ça dit. On peut aussi le faire comme ça les gars, ça peut se faire aussi comme ça. En tout cas j'espère que vous êtes tous très très bien, que votre semaine c'est bien, se passe bien, le début de semaine se passe bien, que vous avez bien attaqué vos cours ou le taf bien évidemment. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir de vous retrouver avec moi dans cette petite vidéo. En tout cas n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus si c'est pas encore fait, voilà, et à me dire ce que vous pensez de ça, de la série. Bien sûr on avance tranquillement, voilà. J'ai des nouveaux véhicules en tête également à acheter. Donc ça va venir très très vite les gars. Donc dans cet épisode là il n'y aura pas de nouveaux achats ou quoi, mais il se peut que d'ici peu de temps il y ait des nouveaux achats. Et on verra ce qu'on fait du Renault Atlas aussi, si on le, parce qu'il est en location pour le moment, si vraiment on le garde ou si on le revend, voilà, pour acheter un tracteur plus, enfin pas le revendre, mais si on le redonne et qu'on achète un tracteur un peu plus récent. Regardez le prix du soja les gars, regardez ça monte encore 2741 €. Et bon là j'avoue ça monte beaucoup beaucoup moins vite que tout à l'heure, parce que tout à l'heure ça montait genre même le temps x5, ça montait quand même assez vite. Je sais pas, ça monte encore tranquillement, mais je pense qu'on va vendre les gars, je pense qu'on va vendre en vrai. 2744 €, ça va faire du fric, là ça va faire de l'argent, je pouvais pas passer à côté. Et hop là, 35 000 €, imaginez si on avait une benne pleine les gars. Je crois que j'étais à 44% dans la benne. Si la benne avait été pleine, ça faisait quasiment pas loin de peut-être 80 ou 90 000 euros, les gars. Ça aurait été énorme. Imaginez une benne à 80 000 euros. Pourtant, la benne n'est pas énorme non plus. Imaginez une benne, comme quoi c'est un peu cheaté par rapport à la réalité, hein, très clairement. Mais imaginez un petit peu, 80 000 euros, ça aurait été énorme. Mais bon, 2700 €, c'est pas tous les jours que ça arrive, il fallait vendre, du coup c'est fait, et c'est bien fait les gars, voilà. Bon, je vais juste vous montrer aussi le petit Renault Thémis qu'on a acheté en live jeudi dernier, parce que c'est pas tout le monde qui regarde les lives ou les rediffs. Du coup je vais vous montrer ce petit Renault Thémis qu'on a acheté également. C'est pour ça qu'on a un peu moins d'argent aussi. Bon là du coup ça remonte un peu le compte en banque, ça c'est cool, ça fait plaisir. Ouais, ça fait vraiment plaisir, mais je suis tellement deg, j'aimerais bien ramasser mon colza là, mais je peux pas. Je peux pas, donc on verra peut-être ce jeudi en live pour faire ça et préparer les futurs achats et voir ce qu'on fait du Renault Atlas. Donc voilà, soyez bien là, on va faire ça en live ensemble ce jeudi. Est-ce qu'on garde le Renault ou non? Est-ce que... parce que voilà, j'ai envie de renouveler un petit peu le matos, acheter du matériel encore un peu plus récent que... bah voilà, comme petit à petit. On a acheté le Renault Thémis pour la ferme secondaire. Donc, voilà, vu qu'il y a juste besoin de... Bon, on va juste en servir pour donner du foin et il a une fourche. Et voilà quoi, donc du coup c'est pas forcément nécessaire d'acheter un tracteur tout neuf ou quoi, qui coûte super cher, hein, voilà, on va pas se cacher. Du coup comme ça ira très bien. Attendez, ce que je vais faire c'est mettre la benne du coup à l'abri ici, voilà. Donc on est sur la map La Baume, hein, pour ceux qui se posent la question, voilà, on est toujours sur cette belle carte qui est La Baume. Oula, ça passait pas, par contre là c'est limite pour passer en vrai, c'est vraiment vraiment limite. Hop, on va dételer la benne ici, voilà, impeccable. Et là on va aller faire un petit peu d'épandage de fumier, parce que je vois que la fumière se remplit légèrement. Donc pour ce faire on va peut-être prendre le Renault, tiens, on va prendre le Renault Atlas pour changer un petit peu de véhicule. Et vu qu'on peut faire que ça, on va dire, on peut pas faire grand chose d'autre. J'aimerais bien aussi semer du trèfle, parce que je crois que le trèfle rapporte beaucoup d'argent.
Donc, du coup, je pense qu'on va faire un peu de semis de trèfle. On a également, oui, c'est ça aussi qu'on a acheté, les gars. C'est le semoir monograine. On a un semoir monograine à acheter pour semer nos tournesols. J'ai envie de semer du tournesol. Peut-être pas du maïs, mais du tournesol. Donc, du coup, en live, les gars, il y aura beaucoup de choses à faire. Faites-le-moi rappeler. Achat du semoir, monograine, ainsi que savoir ce qu'on fait du Renault, si on le redonne ou pas, et si potentiellement on peut acheter un nouveau tracteur ou pas. La moisse batte, bon, elle est dehors, tant pis, mais bon, elle est dehors, c'est pas grave. Est-ce qu'il a resté un petit peu dedans? Non, ça c'était vide, ok. Bon, on va prendre le Renault Atlas, on va dételer le déchaumeur, le rasol qui était dessus. Hop, on va lever tout ça. On va le dételer à côté. Bon, au pire, est-ce que si je le laisse dehors, les gars, il devrait se nettoyer, non? Attendez, voir, on va tester avec la pluie, il devrait se nettoyer tout seul, non? On va voir si ça... Normalement, c'était ça, si je dis pas de bêtises. La pluie nettoie un petit peu le matos. Bon, voilà, on va voir, vu qu'il est dégueulasse, on va le laisser dehors. On va tester comme ça, on va mettre le Renault sur le de Guillaume. Ça va faire plutôt un bel ensemble aussi, ce petit Renault qui est vraiment juste magnifique, le Atlas. Hein. Vraiment un très très beau tracteur, donc voilà, on vient... Ah ouais, en vue extérieure, c'est pas dégueulasse. En vue extérieure, les gars, c'est vraiment pas dégueulasse. On va pas se le cacher, je vais vous montrer après le petit émis, les gars. J'ai déjà oublié de vous le montrer. Je vais vous le montrer, vous inquiétez pas. Je vais mettre l'épandeur comme ça. Voilà, parce que c'est dans la parcelle en plus, juste à côté, qu'on va devoir épandre. Non, c'est pas ça, Jérémy, il fait juste ça. Tu verras, tu vas switcher normalement dedans. Voilà, le petit Renault Témis, il est ici. La ferme secondaire qui commence à se développer petit à petit. J'ai mis une masse derrière le Normand, on a acheté ça ensemble en live jeudi. Voilà, je vous le remonte pour ceux qui n'avaient pas vu. Et la laine, ça commence un petit peu à produire aussi tranquillement, gentiment. Le petit balai également qu'on a acheté. Par contre, peut-être que je vais mettre en vue intérieure, entre guillemets. En vue intérieure dans le personnage, les gars. Hop, un petit coup de balai. Hop, là, comme ça, c'est propre, c'est nickel. On a également des poules, vous voyez. Donc voilà, écoutez, ça va produire tranquillement, gentiment. Et c'est cool, en vrai. C'est cool. Ok, alors du coup, nous, on va prendre, voilà, le fameux... Est-ce qu'il a la fourrure? Ah, il a la pelle dessus. Enfin, oui, là, ce qu'il appelle la pelle, mais c'est un godet, voilà. Tout simplement. Par contre, les essuie-glaces, c'est pas la tempête non plus, mec. Tu peux ralentir un peu l'essuie-glaces. J'ai abusé la vitesse de l'essuie-glace, là. C'est pas un ouragan non plus, on peut se cacher. Mais c'est de la pluie. C'est un peu le temps qu'il fait en ce moment, les gars. Je sais pas si chez vous... ce week-end, il a fait un temps vraiment dégueulasse. J'espère que l'autre semaine sera meilleure. Parce que alors là, du coup, c'était un peu la galère, là, ce week-end, le dimanche, surtout le samedi encore c'était, mais alors dimanche, c'était une catastrophe. Du coup, j'en profite pour vous dire aussi que vendredi, it's the sommet of élevage, donc le sommet de l'élevage vendredi, les gars, donc j'y serai toute la journée, donc si vous y êtes aussi vendredi, donc c'est à Cournon, à Clermont-Ferrand, bien sûr, je pense que vous connaissez tous le sommet d'élevage. Pour ceux qui vont, écoutez, j'y serai le vendredi, voilà, ça fera plaisir, on essaiera de se voir si c'est possible, parce que j'espère qu'on se verra, les amis. Et moi, je suis très très content d'y être en tout cas. Et je vous ferai sûrement un petit vlog. Regardez ça, mais je vous ferai sûrement un petit vlog au sommet de l'élevage. Voilà. En tout cas, si vous me voyez, si vous me reconnaissez, je le redis parce qu'il y en a qui n'osent pas. J'en croise des fois certains. Alors, c'est pas tous les jours, hein, mais ça c'est déjà arrivé. Il y en a, ils osent pas venir me voir. Alors, n'hésitez pas, les gars. N'hésitez pas, s'il vous plaît. Donc, avec l'équipe, du coup, je serai avec Ced et Romagri. Je crois qu'il y a Kevin aussi qui vient. Ça, c'est cool, ça fait plaisir. Et après, il y aura également, je crois, Bruno. Normalement, alors ça reste à confirmer. Je crois qu'il y a Bruno s'il confirme. Il me semble qu'il y a Bastien aussi qui vient. Donc, Stervio, donc on le verra aussi, bien sûr. Il doit y avoir peut-être Zero aussi qui vient, je pense. Donc, ça sera l'occasion de se voir aussi, de partager un moment ensemble. C'est aussi ça, entre collègues youtubeurs, ça fait plaisir. Voilà. Donc, c'est des gens que j'apprécie, donc c'est cool. Voilà quoi. Et j'espère que ça fera une bonne journée sympathique. En tout cas, moi, j'ai hâte d'y être. Bon, par contre, l'épandeur, les gars, il sera vite, vite chargé, en vrai. Regardez, en même temps, le godet, il fait 3000. Hein, ça, les godets de mon tof. Si tu regardes la vidéo, mon tof, dédicace à toi. Eh ben, il y a le tof aussi. J'ai oublié le tof. Ben oui, il sera là aussi, le tof de l'équipe. Ben oui, bon, il sera à la buvette, mais il sera là. J'avais oublié le tof. Je l'avais oublié. Bon, il tiendra la buvette, lui, mais... Hop. Allez, là... Là, ah ouais, donc là c'est plein quoi. C'est tout plein. Bon, il en reste un petit peu, mais c'est pas grave. Putain, par contre, pourquoi ça met le godet aussi. Ouais, c'est un truc qui est bizarre là. Il y a un truc qui est bizarre. Par contre, là j'ai fait n'importe quoi pour le dernier godet. Là, je me mets comme un cochon là. Là, j'avoue. Oh non, je suis plein. Mince, on est plein, les gars, on est plein. Hop, le tracteur, on va le laisser là.
Voilà. Impeccable, ça c'est chargé. On va juste aller les pendre du coup, juste ici. C'est vrai qu'il est beau sur notre Atlas, les gars. Donc on verra si on le garde ou non, parce qu'il est en location. Donc est-ce qu'on le rend ou est-ce qu'on le garde, vous déciderez avec nous, avec moi en live. Du coup, voilà. Ou alors je vous fais un petit stropole, je sais pas. En vrai, je peux vous faire un petit stropole au pire. Est-ce qu'on doit, ouais, est-ce qu'on rend le Renault ou pas? Je vous mets un lien stropole, les gars. Voilà. Lien stropole en description, du coup, pour savoir si on. Je vous le redirai dans l'intro de la vidéo. Savoir si oui ou non on garde le Renault. Est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on le revend? Est-ce qu'on le redonne? Pardon, on va pas le rendre parce qu'il est pas à nous, mais voilà. Et du coup, mais on va renouveler après le parc matériel, vous inquiétez pas aussi, de toute façon, ça va arriver, on va commencer à avoir un peu d'argent. Donc ne vous inquiétez pas, ça va se faire. Ça va se faire, ça va se faire. Par contre, les champs sont tellement grands, les gars, qu'on a, on n'aura pas assez de fumier, pas assez de lisier. Je pense, hein, je veux pas dire, mais je pense qu'on va être limite en. On va être limite. Et il pleut toujours, il n'est pas décidé, le temps n'est pas décidé à changer. Je vais mettre le temps x15 pour la fin de la vidéo. Et on va essayer d'avoir un peu de beau temps, mais c'est vrai que le temps est un peu chaotique là. Un tout petit peu. Hop. Bon, ça m'étonne pas, ça colle un peu aux roues, c'est tout à fait normal. Ah là, j'aurais dû mettre le mode pour rester embourbé là. Là, j'avoue, ça aurait été sympa de l'avoir là. Le Renault embourbé, bam. Le mode réel mode. Mais c'est vrai que ce mode, au final, je l'avais enlevé. Mais c'est vrai qu'il est pas mal ce mode. C'est vrai qu'il est vraiment pas mal parce que du coup, ça pousse le réalisme. Ça pousse le réalisme quoi. Voilà, c'est vrai qu'on peut pas trop rentrer dans les parcelles quand il pleut comme ça et tout. Enfin, tout dépend de l'activité qu'on fait, mais c'est vrai qu'après, bon, ça reste. C'est pas non plus ultra conseillé de. Voilà. Mais encore, s'il pleut comme ça peut se faire, de l'épandage, ça peut se faire. Hein. Faut pas non plus qu'il flotte depuis 15 jours, hein, mais voilà. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Vous avez compris le délire. Bon, en tout cas, on va faire, je pense, un tour. Et je pense qu'on pourra pas faire plus. Hein. Il me semble que je suis réglé, en plus, au minimum. En termes de... contrôle nil, c'est quoi ça? Ouais, bref, je sais plus. Je sais plus, je crois que j'étais réglé au minimum, de toute façon. En termes de... En termes de densité, de voilà, vous avez compris quoi. De dose à l'hectare, voilà, tout simplement. Hop là. Voilà, donc on sera peut-être en live, normalement, si tout va bien, aussi sur la chaîne secondaire, sur ETS2, normalement ce soir aussi, le mardi soir. Si tout va bien, on y sera. Donc du coup, bah, si vous ne savez pas quoi faire, bah, écoutez, venez. Voilà, je vous invite à vous abonner à la chaîne secondaire pour ceux qui ne le sont pas encore. On fait quelques petits chantiers aussi plutôt sympas sur la map La Vieille Sèvre avec des modes du moment qui sortent et ça vous fait plaisir ce genre de vidéo, donc c'est cool. Merci à vous en tout cas. Là, je vais remonter là, tiens. Merci à vous d'être là à chaque fois, ça fait vraiment plaisir. Mais oui, on ne redira jamais assez. En tout cas, j'ai hâte d'être à vendredi. Ah là là. J'ai hâte, on a attendu ce moment-là, c'est mon premier salon, les gars, le premier salon, le sommet des lois, c'est le premier salon depuis que le Covid est passé. On a fait le salon d'agriculture juste avant la pandémie. En fait, le salon a fermé la deuxième semaine, je crois, mais on y était la première semaine. Et le salon a fermé d'emblée derrière, alors que, avec le Covid. Et après, il n'y a plus rien eu, moi pour ma part, je n'ai pas refait de salon plus que ça. Donc du coup, bah, ça fait bien plaisir de refaire un petit salon. Enfin, puis se mettre d'élevage en plus à côté de chez moi, donc c'est cool quoi. C'est bien bien cool. Est-ce que ça va me permettre d'aller au bout ça? Oui. Est-ce que je vais y arriver? C'est pas dit, c'est pas dit, c'est pas dit. Oh si, ça va y aller, ça va y aller. Ça va y aller les gars, 3%. Bah écoute, on va le mettre ici aussi. Hein. Il y aura ce qu'il y aura, mais ce sera toujours ça de moins à mettre en lisier. Allez. Voilà, bon, j'avoue, j'ai fait des petits manques, mais c'est pas grave. C'est pas grave, les petits manques, les gars, c'est pas grave. Hop, donc dites-moi aussi le prochain tracteur en commentaire, les gars. Dites-moi quel tracteur vous aimeriez que j'achète, tout simplement. Est-ce qu'on achète le nouveau Action 800 ou est-ce qu'on passe directement sur un 900? Sachant qu'après, bah, il faut tout réadapter. Est-ce que là, je passe? J'ai mis un peu le classe un peu au milieu. Est-ce que je passe entre le classe et le mur? Là, c'est pas sûr. Est-ce que je suis un pro de la marche arrière ou non? On va voir ça. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je suis... oh oui, ça passe. Oh là là, mais je suis un dieu. Je suis un dieu, les gars. Regardez la marche arrière. Je veux une note sur 10, les gars, pour marche arrière. Je veux des gros GG.
en commentaire, s'il vous plaît. Je m'emballe tout seul, non, ça va. Bon, après, j'avoue, c'était pas non plus hyper compliqué, mais ça passe fin quand même. Ça passait fin, les gars. Hop, ça, je vais le remettre là, du coup. Voilà, ça, c'est fait. Il pleut toujours, ok. Ça, c'est cool, hein, bravo, Jarvis. Bah, du coup, j'avais prévu ça, mais je pensais que la pluie allait après sortir. Enfin, s'arrêter, quoi, tout simplement. Oh, j'aimerais bien ramasser mon colza, moi. J'aimerais bien. Je vais juste regarder un petit peu. On va regarder un petit peu vite fait en vidéo, là aussi. Je voulais voir tout ce qui va être matériel de semi. Alors, qu'est-ce que j'ai en smart monograine pour qu'il ne coûte pas non plus une blinde, qu'il ne soit pas non plus du matériel de trop grande largeur, mais quand même. Ah ouais, ouais bah, cela c'est la base, les gars. Hein, cela, les monosèmes ou le monosème ou le cune, là. NG plus 4 ou le planteur, les gars. Ça, c'est la base, parce que c'est ce qui va vraiment le plus vite en 5m40, 54 000 euros quand même, c'est pas donné. L'Optima RS, lui, il fait 9 mètres. 9 mètres, 69 000 euros, les gars. C'est cher. C'est ultra cher. Bon, après, il y a le Vadershat, mais je le prends souvent. Ou alors, on reprend le Lemken, quoi. Le Azurite 9, qui fait 6 mètres. C'est une bonne base aussi, hein. L'Azurite 9, au moins, on s'y perd pas. Bon, on verra ça en live, de toute façon, les gars. On achètera ça en live. Vous choisirez avec moi. Bon, l'euro, non, il fait que 4,50 m. Même si c'est pas très cher, mais voilà. Là, je suis à 12 mètres, les gars. 12 mètres, bon, c'est un peu gros. Après, en 9 mètres, ça aurait pu passer. Ça faisait gros, mais ça aurait pu passer. Par contre, là, celui-là aussi, il est énorme. Le Tempo L16, là, 12 mètres de large. Putain, mais c'est un smoir de base, ça. Mais c'est un smoir que j'ai jamais dû prendre, celui-là. En vrai de vrai, je crois que je l'ai jamais pris, celui-là. Ok, voilà, le Vadershat, je prends tout le temps. Celui-là, il fait que 6 mètres. Pour la même largeur, les gars, j'ai envie de vous dire, et ça coûte beaucoup moins cher. Ah non, voilà, c'est là. Ça coûte quand même beaucoup moins cher, non, c'est un grand mot, mais un peu moins cher. Okay. Bon, on verra ça. Soit le Lemken, soit le Vadershat, de toute façon, on verra. C'est ce que j'ai un peu sur la partie. On va curer un petit peu, les gars, en fumée. Oh, elle a toujours la vache au milieu, elle est toujours là, elle. C'est fou. On va juste curer un petit peu. Ah ouais, merci. Curer un peu les vaches, du coup, parce que je crois qu'on est, pas mal au niveau vache. On a, du coup, 47 vaches. Il y a tout ce qu'il faut en vrai. Ouais, il y a vraiment tout ce qu'il faut. C'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup de lisier. On a 6400 litres de fumier dans la stabulation. Le lait, on l'avait vendu. Tout est ok après de l'autre côté. Il n'y a pas de souci plus que ça. Ouais, donc là, le prochain achat, ça va vraiment être le semoir. Ainsi que le j'ai envie de changer de tracteur aussi. Pour pouvoir. Voilà. Pour pouvoir faire. Changer un peu de véhicule, voilà, tout simplement. Je suis perdu, les gars. Je suis perdu parce que j'avais envie de moissonner. Pour cette fin de vidéo. On est à 17 minutes de vidéo, les gars. Ce qu'on peut faire, les gars, c'est emmener. Eh bien. Ah, ce serait emmener la moissonneuse, du coup, à la parcelle, là-bas, comme ça. En live, on moissonne aussi. On s'occupe de moissonner. Et c'est vrai qu'il flotte, c'est un peu la galère. On va l'emmener gentiment, tranquillement, mettre les feux, parce qu'il fait pas très très beau, j'avoue. Hop. Il y a les molos. Et après, j'avais envie d'acheter pour cette machine-là un cueilleur spécial tournesol. Pas prendre un cueilleur à maïs, vous savez, mais prendre un cueilleur spécial tournesol. Une coupe à tournesol, quoi. Alors, pas une coupe avec les plateaux, vous savez, mais plus un... Après, je vous montre, je vous montrerai ça après, là, tiens. Là, par contre, est-ce que je sors juste à faire gaffe à la clôture? Ouais, là, je n'ai pas dû taper dedans, c'est bon. Non, ce qui est chiant, et ça le fait que sur cette carte-là, c'est qu'on voit pas les rétros. Ça coupe les rétros, suivant dans... Alors, regardez, hop, ils se remettent. C'est trop bizarre. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais... C'est assez chelou. Allez. Et qu'on va monter en face. On monte en face ou on passe par le village? Ouais, non, on va monter là, les gars, c'est clairement... En plus, c'est juste là. Je suis obligé de passer par là. J'avoue, là, ça monte raide. Ça monte raide, mais ça monte. Avec la Terra Track, il n'y a pas de souci. C'est impeccable. Allez. Ouais, du coup, on pourra attaquer la moisson de colza en live, du coup. Mais bon, va falloir que la flotte s'arrête. Déjà, pour commencer, ce champ-là, on va le semer en tournesol. Donc il y a pas mal de boulot, je pense que je mettrai l'ouvrier, hein. Clairement pour le semi de tournesol, on va pas trop s'embêter. Je pense, on va voir ce qu'il faut que je fasse, par contre, est-ce que j'ai remis la croissance? On va le remettre en standard, parce que j'ai mon orge qui doit pousser aussi là. On doit avoir de l'orge les gars, qui va bientôt être mûr aussi. Donc je sais pas, ouais, c'est soit en vrai on passe sur un Action 800, soit un 900, je sais pas en vrai. Ah, je sais pas.
En vendant l'autre 800, peut-être, du coup, est-ce qu'il y a moyen qu'on passe sur un 900 direct? Je sais pas. Je ne sais pas trop. Bah écoutez, celle-là, on va la laisser ici. Hein, parce que là, elle est pas mal. Elle est pas mal ici. On va juste, ouais, on va juste curer vite fait en fumier. Curer la stabulation. En vrai, il n'y avait pas large, hein, côté de l'épandeur, là. Il n'y avait vraiment pas large. On va curer la stabulation, comme ça, ce sera propre, nickel. Et je dis pas mal de boulot en live, du coup. Avec la moisson. Savoir ce qu'on fait du Renault. Je mettrai un Stropole pour le Renault. Et pourquoi pas un deuxième Stropole aussi. Savoir si on passe sur un Action 900 ou un 800. Voilà. Pour la suite. Au pire, soit sur un nouveau 800, soit sur un Action 900. Ah, j'en ai oublié un petit peu. Donc voilà, ce sera le Stropole qui sera en description. Je compte sur vous pour aller checker tout ça. Hop. Après, la stabilisation se cure bien, mais au godet. Avec le rabot, vous savez, ça avait poussé, ça poussait, ça poussait, ça mettait tout sous le sol, sous la stabilisation, c'était vraiment pas ouf. Là, comme ça, au moins, c'est plutôt pas mal. Là, et par contre, il y a toujours une bosse de. J'arrive pas, il y a du fumier que j'ai ici que j'arrive pas à reprendre, les gars, c'est un truc de fou. C'est un petit peu chiant, mais bon. Je sais bien ce qu'il me semblait. Ah non, il y a juste cette partie-là. Je croyais que j'étais. Parce que j'avais pas incliné le godet assez. Ouais, là, ça, je peux pas y ramasser. Ça, y a pas moyen. Bon, bah écoutez. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop là. Olé. On va pas se mettre à l'eau. Merci. Allez. Du coup, ça, on va le remettre à côté. Voilà, on va être ici. Je pense que les amis, on va se quitter pour cette vidéo. Donc, il y a pas mal de votes de votre côté. Pensez vraiment à les voter, soit pour le Renault, si on le garde ou si on le rend. Et savoir si on passe sur un Action 800 ou 900 dans les tout prochains épisodes, les gars. Je compte sur vous pour aller voter et checker tout ça. Parce que voilà, comme ça permettra de redonner un peu d'élan à la série. Et savoir aussi quel autre bassin choisir en live. De toute façon, je te dis pour le semoir. Et attaquer les semis de tournesol. Bah écoutez, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus à cette vidéo si elle vous a plu. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!